Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Construction Simulator. On est parti pour continuer la campagne sur la map européenne, la campagne projet prestigieux. On avait déjà fait la route d'accès, l'hôtel. Là, on va partir pour la plage municipale. La promenade abandonnée doit être transformée en un lieu de rencontre élégant avec une merveilleuse ambiance de plage. Il y aura une plage pour la natation, un bar et une jetée en bois. Ok. On accepte le contrat et on part sur place. Hop, allez, c'est parti, on va parler avec l'investo. L'investisseur The city Tony Stark, beaches, la not plage municipale particularly n'attire plus inviting vraiment anymore, grand is it? monde ici. A few months Il y a ago, quelques mois, I j'ai eu had the l'idée de créer idea of un creating oasis an de oasis tranquillité of ici, un bar de tranquillity plage où here, les a habitants beach les plus riches de bar where notre our ville city's pourraient most laisser affluent derrière le residents stress can quotidien leave de the leur vie daily stress of their mouvementé. busy Et ce bar lives de la plage behind. est juste un And this projet beach bar is just a pilote. pilot Si tout va project. bien, nous If all étendrons goes le well, concept à we'll d'autres take the villes et concept to transformerons other ça en cities and franchise. turn it into a Tout ce franchise. qui manque est All un that's nom missing is a accrocheur, mais il y catchy a encore name, but quelques there's temps still avant time la before soirée opening night. d'ouverture. I want you to get Je veux started que as tu soon as commences dès possible que once the l'étape planning de stage is planification over. sera finie. Effectivement. Ok. Ah, c'est Alors, parti. Envoyez aplanir la zone. Donc ça, c'est avec un un bulldozer. C'est terminé. Allez, on a réussi. Maintenant, on va pouvoir éliminer le matériau en tas. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ah, c'est là-bas. Okay. Ah, bah, je peux plus bouger. Ah, mais ça, faut le foutre dans un camion, ça. J'ai l'impression, ouais. Et bah, on a plus calmé dans un camion. On a plus calmé dans un camion. Allez, on va mettre le dernier coup de pelle. Normalement, il aurait fallu une chargeuse avant. On n'avait pas les moyens de Ok, on a l'allouer. terminé. On a terminé, on va pouvoir enlever tous les véhicules. On a fait ça avec le pelleteur. Le ventouse. Ventouse. Lol. Je vais mettre ça autre part, si je peux. Parce que là, c'est très compliqué. Mettre là-bas. Mince. Bah non, faut sortir carrément du truc. Ah ouais, ok. Ça, c'est un des Sortir trucs tous les moyens de sortir véhicules. avec le pelleteur. Au pire, on actualise. Hein. Voilà. Je vais enlever le truc là-bas. Ça sera déjà bien. Allez. Hop là. On peut des fois être bloqué à 4, puis après passer. Je vais mettre faire la escalatrice. Allez, plus qu'à attendre. Je ressors. Allez, 3, 2, 1. Et normalement, c'est bon. Allez, ça. Voilà. Et bon. Et Alors, bah. éléments que peut fabriquer en béton. Ah oui, c'est là, ok. Et bah, soit une grue, soit la grosse grue mobile. Vous avez avancé de niveau de joueur. Ok. Les Je vais matériaux être sont fin déjà pour là? le coup. Ah oui, ils sont là-bas, Ouais. je crois. Ouais, ils sont là-bas, ouais. Et bah, il n'y a plus qu'à mettre des marches et tout. Elle est à nous Ah, celle-là ou on la loue? Non, Peut-être à louer. on
Allez, à nous. Ok, on a une petite grue mobile. Le café. La petite Kléber là. La LTM 8631. Il va falloir mettre en place les marches. Ok, le dernier bloc de la fabrique en béton va être posé. La grue mobile, le petit modèle qui fait largement le travail. Ok, tout a été posé. Faut sortir. Ok. Alors, on a tout posé. Alors, treillis d'armature, palette de bois, palette de pare-vapeur. Bon, on va aller chercher okay. Tout ça. Alors, les matériaux ont été livrés. Ils sont là, déballer les matériaux. Ok, on déballe. Alors, déballer les matériaux, j'arrive. Pas le faire. Il reste... Alors, la dalle de fondation. Elle est où? Eh bien, c'est parti, je vais couler ça. Alors, c'est yep. Coulé, maintenant. Livret, matériaux, palette de bois et palette de briques. Les palettes. Alors, palette de bois et palette de briques. Donc là, on a deux palettes de briques. Ok, palette de briques, ça va être ici. Et après, j'imagine que ça. Là, il y en a une autre. Je sais pas quoi. Les palettes de bois sont là. Et paquet de cadres en bois d'éléments plafond. C'est-à-dire qu'il faut aller les chercher, non? Ou alors, c'est pas loin. Je pense qu'il faut aller les chercher. Donc voilà, j'ai les matériaux, je vais les ramener moi-même. Allez, on va essayer de déposer le paquet. C'est fait. Allez. Donc il y a un petit bâtiment ici en brique. Il y a des sortes de bâtiments en cercle là. Non. C'est ce bâtiment qui est en train de se monter. Pièce par pièce. Bon. J'arrive. Ça veut pas. Là-bas. Donc on monte deux bâtiments en même temps. Je crois qu'on va faire des bâtiments de plage en fait. Je crois que c'est ça. Là, c'est pour le plafond. Ok. Et ben on est parti pour le positionnement de tout ça. Ok, ça c'est le plafond. Et après, il faudra poser le toit sur la petite cabane à côté. Un petit bout de toit et... Peut-être que et le camion rouge, enfin orange, on peut faire des efforts. En essayant de le mettre. Mais bon, je pense que la grue va être obligée de le faire. Ensuite, là, il y a des petits bouts de toit qui se mettent à l'avant, ok. Ce serait bien d'avoir une deuxième grue. L'entreprise n'a pas le budget pour avoir une deuxième grue. C'est combien une deuxième grue? 300, 400 000 euros. Voilà. Parce que c'est le gros modèle qu'il faut. C'est pas trop cher. Ok, déjà il est terminé ça avec la toiture. C'est pas mal. Très bien, très bien ce bâtiment. Ouais. C'est une plage de luxe. Je pense que ça doit être pour les achats. Que je verrais mal un truc pour s'habiller peut-être. Ok, ça c'est fait. On dégage la zone. Encore de la toiture. Ça va à l'arrière cette fois-ci du bâtiment. Ok, alors on a posé pas mal de choses. On va devoir poser des cadres en bois de toit.
Moi aussi, c'est en train de faire un peu tout là. Par s'il veut qu'on le remplace. De toute façon, même s'il y avait deux glues, je pense que tu la prendrais pas en fait. Ah bon? Ah, moi que. Je sais pas, moi j'aime bien la grue comme ça. On n'a pas. Ah non, mais après. On n'a pas la grue fixe. C'est vrai qu'on est. On débarque en Europe, on n'a pas encore tout notre matériel comme aux États-Unis. Ouais. On avait plusieurs. Il y a beaucoup de bateaux. Hein. Mais je suis pas sûr que Amsterdam, Allemagne, tout ça, y ait grand chose comme bateaux. Quoi. Surtout des bateaux de riches. Ça m'étonnerait. Ok, ça c'est fait. Très bien. Ensuite. Palette de panneaux déposer... de lamelles, palette d'isolation. Sorti. Très bien. Pour moi, il y a beaucoup de choses. Déposer. Ok, il faut tout déballer. Allez, on va pouvoir déposer tout. On pose l'isolation. Je vais aller là-bas, à moins que Normund se l'ouvre. Il y en a un autre à ouvrir ? Ouais, là-bas. Ok, on va tout ouvrir. Et puis, on va pouvoir passer à l'affinage, c'est-à-dire à la finalisation de ce projet qui est livré et déchargé le sable. C'est où, ah, c'est là. Faut prendre le camion d'un. Et puis, faut me livrer du sable ou ouais. Ok, le sable vient d'être livré, on voit, c'est vraiment ce qu'il a fait. Très bien, alors on vient de mettre le sable et maintenant on va devoir mettre des paquets de cadres en bois et d'éléments de terrasse et livrer et décharger le sable encore une fois. Encore une fois du sable. Très bien, très bien, très bien. Donc les trucs de tout à l'heure, il va falloir les mettre. Je ramène la grue qui est là et puis on va pouvoir décharger tout ça. Oui, il me faut la grue là pour décharger ça. C'est le problème, parce que c'est bien. Attends, le 4 attends, parce que a... attends, parce qu'il y a Normand qui est en train de faire le. C'est personnel, c'est tout ce que c'était. Mais tu fais un œil. T'as un œil, frère! On va essayer de le mettre nous-mêmes, je ne sais pas ce que c'est, ce personnel, il fait des bruits. Ah ouais! Essayez de décharger ça. J'ai mis de l'eau ça. Hop! Tac. Ah, le sable est en train de se mettre. Je l'ai coupé. Ah bah bouge-toi. On a déjà été déchargé depuis 2 heures. La bouche-ca. Allez! Voilà, on a Normand qui fait son boulot lui, il décharge. Alors. Tac, on va aller déballer le matériel. Allez, on déballe le matériel. Hop, là, voilà, on va pouvoir déballer celui-là, là-bas. C'est le dernier, donc je le laisse faire, et puis moi, je vais enlever le camion. Faut-tu savoir juste conduire pour enlever le camion? Bon, je vais y arriver. Ah, ça fait une petite promenade. Ah ouais? Portuaire. Plage. Ok. Bah, on a terminé ce chantier. On va devoir dégager tout et puis on va se retrouver pour la finalité. Pas le coup de tout dégager, faut se bouger. Allez, tout est dégagé. Et voilà, on parler a terminé. Avec l'entrepreneur, enfin l'investisseur Tony Stark. Voilà. Cette fois, ça bug pas. The opening of the new city beach in a couple of weeks is sure to make an impression. Now prominent party guests no longer have to travel to other cities to party. It's going to skyrocket the glam factor of this place, and that's only good news for the local economy. I just love the ambiance. J'adore l'ambiance. C'est juste as atmospheric as I hoped it'd be. It seems you have a good team behind you, and you're open to more extravagant concepts. I like that. We'll see. Maybe I'll have another job for you soon. Ouais. Mon équipe a pas un qui se bouge. Attention. Ah ouais. Le deuxième ne se bouge pas trop. Ah ouais. Plage municipale, chantier terminé. Je fais tout mon gars. Alors. Waouh. C'est effectivement un magnifique avec le sable. Oh. Ah un petit terrain le beach volley. Ouais. Des petits poteaux électriques. Ah, c'est des hôtels ou des trucs comme ça, non? Un stand de donuts.
De donut ou de... Ça, je sais pas ce que c'est. De la glace aussi, donc c'est un glacier. Pizza. Non, c'est des sandwichs, pas des, bah, des donuts. C'est hot dog en plus. C'est des donuts. Il y a le logo Pierre au-dessus. Pizza. Du donut. Et ensuite, on a accès à la plage comme ça. Un peu bizarre leur plage. Et en fait, c'est une plage vers le dessus. Après, en bas, qui a envie de se baigner là-dedans, quoi? Bah, c'est la Seine, quoi. Un petit peu comme à Paris. T'as pas envie de te baigner dedans, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est... Ce qu'on a créé est quand même assez magnifique. Alors, je pense qu'on va se laisser là. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. On se retrouve pour un prochain chantier sur la map européenne. La campagne de Tony Stark, tout simplement. Allez, à plus.